est fort à craindre que le pire soit à venir, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les technologies avancent vite. On arrive maintenant à créer des fausses vidéos, des fausses photos qui sont très difficilement détectables et qui sont criantes de vérité. Et donc cette technologie a un coût de plus en plus bas et de plus en plus largement diffusé et sera utilisée de plus en plus. La deuxième raison pour laquelle on peut craindre que le pire soit à venir, c'est que les secteurs touchés à présent ont surtout été ceux de la politique et de la géopolitique, davantage que les secteurs économiques ou même les réseaux sociaux. Et on peut s'attendre à une extension de ces méthodes de manipulation de l'information vers d'autres choses que les élections, à commencer par le secteur économique, mais également quand on appliquera l'intelligence artificielle, par exemple, à la contrefaçon de messages sur les réseaux sociaux, on peut s'attendre à beaucoup de nouvelles perturbations. Enfin, parce que c'est un business, en fait. Hein, les fausses nouvelles, ça n'est pas simplement une stratégie, ça n'est pas simplement un sabotage, c'est aussi un business dont vivent un certain nombre d'entreprises et de hackers. Et donc, on peut vraiment s'attendre à une montée exponentielle des dangers dans ce domaine-là. On peut penser en particulier au domaine connexe. Alors, par exemple, pas seulement les élections, pas seulement peut-être le référendum en Nouvelle-Calédonie bientôt, pas seulement les élections à venir, mais par exemple les consultations citoyennes sur l'Europe qui ont une partie numérique pourraient être vulnérables à des stratégies un peu nouvelles. Et là, il faut redouter l'ingéniosité en quelque sorte de ceux qui manipulent l'information à des fins politiques. C'est là-dessus qu'on a essayé de réfléchir au cours de cette journée et ce sont, disons, ces nouveaux domaines qu'il faudra malheureusement explorer peu à peu.